كاسي ماكش حابو يولي فرنساوي ولا نصراني. اه وبلي التعصب هذا يعني خشنت الراس هو اللي راح يخليكم هكذا متوخرين وميزرين. شوف سيدي اسمع، احنا المتعصبين يا واه احنا يلي نقعدوا متوخرين وميزرين، انتم خاطي انتم حاشا لله. شوف سيدي، وعلاش هما ما يلبسوش لبستنا؟ واش بيها حوايجنا؟ ها كش ما كاين لبس اخر من السروال العربي؟ ها كش ما كاين خير من البرنوس والعبايه والكشطه؟ ويقولوا علينا ما نحبوش النصارى. احنا ما نحبوش النصارى، وعلاه انتم تحبونا؟ وكي دخلتوا كش ما خليتوا جوامع يا اخي قلبتوهم وكل كنايس، واللي ما قلبتوهاش كنيسه قلبتوها زريبه. وزيد يا مسيو جاك، انا مسمي وليدي عيسى، وانت مسمي وليدك محمد. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis ravi de vous accueillir pour ce tout premier numéro de Culture, l'autre regard, l'émission qui entrecroise les regards entre la littérature et les arts. Il ne s'agit pas, bien entendu, de sacrifier et de s'inscrire dans l'ère du temps avec cette lubie un peu à la mode des regards croisés, mais bien au contraire, de revenir à ce que nous apprennent les sciences sociales, à savoir qu'aussi bien les individus que les groupes sociaux ne sont pas tout à fait transparents à eux-mêmes, qu'une partie, sinon toute leur motivation leur échappe, et bien entendu, les artistes, les intellectuels, les écrivains n'échappent pas à cette règle, raison pour laquelle nous tâchons d'entrecroiser les regards entre les différentes disciplines, entre les différents invités, afin d'entendre l'artiste sur ce qu'il a voulu dire, mais surtout sur ce qu'il a voulu dire à son insu. Ce tout premier numéro sera consacré avec mes invités à la déconstruction de l'idéologie coloniale. Nous allons voir ce soir ce qu'il a pu en rester aujourd'hui dans notre quotidien. J'ai donc le plaisir d'accueillir avec moi M. Erdouan Semmal. Erdouan Semmal, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes concepteur de projets culturels et vous êtes l'auteur d'un magnifique documentaire sur l'idéologie et l'imaginaire colonial. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. Et pour débattre avec nous, pour apporter ses lumières sur ce sujet, j'ai le plaisir aussi d'accueillir M. Badreddin Mili. M. Mili, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être parmi nous. Merci pour votre invitation. M. Mili, vous êtes essayiste, romancier. Vous avez publié tout récemment un ouvrage aux éditions API qui s'intitule « Le système politique algérien, formation et évolution, 1962-2020 ». 1954-2020. 1954, excusez-moi, 2020. Mm-hmm. Toutes mes félicitations d'ailleurs pour cette parution. Merci, merci. Vous êtes l'auteur de plusieurs romans, notamment d'une trilogie qui a été adaptée à l'écran sous le titre « Le dernier hiver ». Exact. Et aussi d'une foule d'autres essais. Et nous allons nous appuyer ce soir sur vos connaissances, vos travaux, afin de faire pendant à ce qu'a raconté M. Erdouan Semmal dans son documentaire. Merci encore d'être parmi nous. Je suis à votre disposition et à celle de nos téléspectateurs. Merci bien. Et justement, je me tourne vers vous, mes chers compatriotes. Si vous me le permettez, nous allons ouvrir cette émission avec une citation. Et je vous demande de réfléchir qui aurait bien pu en être l'auteur. Alors, il s'agit des Noirs. Leurs yeux ronds, leur nez épaté, leurs lèvres toujours grosses, leurs oreilles différemment figurées, la laine de leur tête, la mesure même de leur intelligence, mettent entre eux et les autres espèces d'hommes des différences prodigieuses. Et ce qui démontre qu'ils ne doivent point cette différence à leur climat, c'est que des nègres et des négresses transportés dans les pays les plus froids ils produisent toujours des animaux de leur espèce et que les mulâtres ne sont qu'une race bâtarde d'un noir et d'une blanche ou d'un blanc et d'une noire. Ce florilège immonde de racisme, M. Semmal, vous nous révélez dans votre documentaire, qui en est l'auteur, à savoir ? C'est Voltaire. Le chantre de l'humanisme et des Lumières. Considéré comme le philosophe des Lumières. Donc Voltaire exprime ici une vision bien raciste des Noirs
Et cette vision est intimement liée à son statut. Voltaire était, on dit de lui que c'est le philosophe des Lumières, mais en réalité c'est le philosophe de la bourgeoisie montante. Absolument. Donc Voltaire s'est opposé à l'Église parce que l'Église le dérangeait dans ses, et dérangeait la bourgeoisie montante parce que l'Église, même si elle avait des positions ambiguës par rapport à l'esclavagisme, l'Église rendait les choses difficiles pour l'exploitation des Noirs et pour les esclavagistes. De quelle manière ? En affranchissant quand un esclave devient chrétien, on l'affranchit. Quand il est affranchi, il ne peut plus être exploitable comme auparavant. Donc on ne peut pas le forcer au travail, on ne peut pas, se comporter avec lui comme une bête de somme. Oui, d'ailleurs il est dit dans votre documentaire que il est inacceptable pour l'exploiteur que l'exploité devienne son frère en religion. Voilà. Donc le fait que le fait qu'il devienne chrétien devient il est obligé d'être affranchi. Voltaire fait partie des intellectuels ou des gens qui ont financé la traite des Noirs. Donc il était actionnaire de la Compagnie des Indes. Oui. Et cette compagnie faisait ce qu'on appelle le commerce triangulaire. Donc le commerce triangulaire, c'est-à-dire que on allait ramener des nègres, qu'on allait expédier en Amérique et on récupérait des produits de l'Amérique pour les vendre en Europe. Et c'était un commerce florissant, c'était un commerce qui rapportait énormément, et c'est ce commerce qui a permis l'accumulation du capital, qui a permis par la suite à la bourgeoisie de devenir une force qui a mis en situation de danger l'Église et la féodalité en général. Donc, qui a fini par renverser. Donc l'Église était un obstacle, constituait un obstacle par rapport aux ambitions de cette couche sociale montante. Et c'est pour ça que Voltaire et d'autres se sont acharnés contre l'Église. Alors, justement, donc, oui. Et dans sa philosophie, Voltaire conteste le récit de la Genèse. Pour lui, il n'y a pas, les êtres humains ne viennent pas d'Adam et d'Ève. Ils sont des races différentes, des espèces différentes. Oui, d'ailleurs, il a une autre phrase immonde où il dit « Si on regarde le nègre, on ne saurait accepter que Dieu, qu'il soit à l'image de Dieu. » Voilà, donc Voltaire était déiste. Il était contre la religion chrétienne, il était contre la religion juive, musulmane, etc. Et pour lui, le récit de la Genèse tous les hommes viennent d'Adam, c'est un récit qui le dérangeait. Le monothéisme, ce n'est pas uniquement l'unicité de Dieu, mais c'est aussi l'unicité de l'homme. Absolument. Et donc, de l'origine de l'homme, en tout cas. De l'origine de l'homme. Oui. Donc, cette vision d'unicité de l'homme dérangeait Voltaire. Lui répugnait, en fait. Voilà. Parce que dire que les hommes sont. Que le noir est le frère du blanc, ça veut dire qu'on s'interdit de le vendre, qu'on s'interdit de l'exploiter, etc. Et d'en faire une bête de somme. Alors, donc, il fallait insister sur les différences, mettre en exergue les différences. Et établir une hiérarchie, parce qu'il ne s'agit pas uniquement de montrer la différence, mais aussi de mettre une hiérarchie entre l'homme blanc et l'homme noir. Et je vais revenir avec vous, M. Somal, sur les éléments de hiérarchisation qui ont été utilisés. Mais peut-être que nos téléspectateurs vont se dire,
ce n'est qu'une bourde de Voltaire, ce n'est qu'un avis isolé au milieu de l'humanisme, des Lumières, etc. Monsieur Milly, je me tourne vers vous pour vous demander, est-ce qu'il s'agit seulement de Voltaire ? Mais non, pas seulement. Moi, je voudrais inscrire mon commentaire sur Voltaire dans un cadre plus global, qui remonte à loin aux origines de la colonisation elle-même. D'accord. L'idéologie coloniale n'a pas été un accident de l'histoire, le fait d'un pur hasard. L'idéologie coloniale est la résultante de l'accession du système capitaliste à un développement mondial qui lui avait évidemment signifié un certain nombre de stratégies qu'il avait utilisées pour parvenir à ses fins. Et Marx dans Le Capital et Lénine dans l'impérialisme, stade suprême du capitalisme, en ont analysé par le détail la doctrine et les modes opératoires. Cet expansionnisme du capitalisme, du système capitaliste, qui a été consacré par la conférence de Berlin à la fin du 19e siècle, absolument, oui. Et qui a procédé, laquelle conférence a procédé au partage du monde, oui, entre les grandes puissances industrielles, notamment le Royaume-Uni et la France, a été précédé par la conquête de l'Amérique et la conquête de l'Amérique, donc du Nouveau Monde, par les royaumes aurifères d'Espagne et du Portugal, qui se sont développés sur les décombres des civilisations aztèques, mayas, oui, incas, détruites par Cortés et ses armées. Mais de nombreux penseurs venus des horizons de la philosophie des Lumières, justement, venus des horizons de la Révolution française, de la franc-maçonnerie, du saint-simonisme et de la gauche républicaine dirigée à l'époque par Jules Ferry et plus tard Léon Blum, qui ont professé ce qu'ils ont appelé un colonialisme philanthropique. Mmh. Voltaire, justement, était parmi les militants les plus actifs de cette idéologie. Il n'était pas seul. Rousseau avec ses traités sur la nature et l'éducation, Montesquieu avec sa théorie sur les climats, Tocqueville, le démocrate, le porte-drapeau de la démocratie en Amérique, et bien sûr Lamartine, des dirigeants de la Commune, ont fourni à cette idéologie ses fondamentaux politiques, religieux, militaires et économiques, dont elle s'est servie par la suite pour justifier son accomplissement et donc cette idéologie qui reposait sur un certain nombre d'axiomes, dont le principal était l'asservissement des races inférieures par les races supérieures. – Alors je vais revenir justement sur cette question avec vous, et, puisque vous êtes tombé un petit peu sur la même conclusion, c'est-à-dire qu'il s'agit in fine de faire une hiérarchisation des races. Cette hiérarchisation, elle s'est exprimée de différentes manières, et dans votre documentaire, on voit l'apparition d'une pseudo-science, à savoir la phrénologie, c'est-à-dire cette science, entre immenses guillemets, qui consiste à déduire le caractère des races à partir des dimensions du crâne. Ouais. Voilà, montre-moi ton livre, je te dirai qui tu es. Ouais. Voilà. Donc pour la phrénologie, à la base la phrénologie n'est pas une science raciale ou raciste. Mm-hmm. C'était une science qui essayait de mettre la relation entre le cerveau en tant que substrat matériel et l'esprit et les capacités intellectuelles des êtres humains. Mm-hmm. Donc comme on ne pouvait pas accéder au fonctionnement du cerveau comme on le fait maintenant avec l'IRM, etc., donc on regardait
le fonctionnement du cerveau à travers le crâne, à travers les parties développées du crâne. Donc, à la base, la phrénologie n'est pas, c'est une hypothèse scientifique qui n'est pas, qui par la suite, on a montré qu'elle n'était pas juste, qu'elle n'était pas correcte, mais à la base, elle n'était pas, c'est pas une science racialiste. Elle est devenue, elle a été instrumentalisée par le racisme et par le colonialisme. Autrement dit, la science en général et celle-ci, en tout cas cette ébauche de science en particulier, n'a jamais été cette entité objective, ce sacerdoce toujours libéré de l'idéologie, mais il est au contraire surdéterminé par elle. C'est-à-dire que l'aspect idéologique qui se cache derrière cette science, c'est le fait de considérer l'être humain comme un être biologique en premier lieu. C'est ça l'aspect fondamental et idéologique. Par la suite, cette science a été instrumentalisée par le colonialisme et on l'a vu, l'actualité nous l'a montré. Les militaires et les scientifiques entre guillemets faisaient la récolte entre guillemets des crânes et ils se sont amusés à les mesurer, à mesurer les différentes parties du crâne pour prouver, parce que l'objectif par la suite était de prouver que l'homme africain, que l'homme arabe, que l'homme non européen de façon générale était inférieur, n'avait pas les capacités intellectuelles que l'homme blanc avait. Il y avait donc une déficience. Il y avait une déficience. Donc il y a des parties qui étaient atrophiées par rapport à l'homme, au crâne, au cerveau de l'homme blanc. Donc voilà. Donc la phrénologie, il n'y a pas que la phrénologie qui a été instrumentalisée, il y a aussi le darwinisme. Absolument. Oui. Le darwinisme a été instrumentalisé. À peu près dans la même veine d'ailleurs. Il a été instrumentalisé parce qu'on a pris la sélection naturelle, on en a fait, pour Darwin c'est une loi naturelle, elle est devenue une loi morale. Donc, oui, elle a donné le droit au plus fort de dominer et d'exterminer. Mm-hmm. Donc puisque le baqa al-afdal, struggle for life, oui. Le baqa al-afdal, ça veut dire que l'homme blanc avait le droit d'exterminer les autres races pour pouvoir bénéficier de l'espace vital. Et donc le concept d'espace vital qui est aussi important. Qu'on va retrouver chez les nazis, mais qui faisait partie de la pensée, en fait, la pensée entre guillemets, de l'idéologie coloniale. Et vous me rappelez cette boutade de Fanon qui dit que le nazisme n'a choqué les Européens que lorsqu'il a commencé à s'exercer sur eux. Exactement. Voilà. Et justement, M. Milly, à propos de Fanon, sur cette histoire de phrénologie, dans l'école psychanalytique et psychiatrique d'Alger, à l'époque du colonialisme évidemment, nous avons eu affaire, et nous avons été nous-mêmes victimes de ces clichés avec Porot, avec Carothers. Porot qui disait que le nord-africain, le développement du cerveau du nord-africain adulte est au même niveau que celui de l'enfant européen, moins la curiosité. Oui. Carothers, dans une étude financée par l'OMS, c'est Fanon qui nous l'apprend dans les années de la Terre, met au même niveau le cerveau africain et le cerveau européen lobotomisé. Oui, mais effectivement, la médecine a servi d'instrument d'investigation et de justification du choc colonial qui est à la base une idéologie raciste. Absolument. Et nous l'avons vu pendant toutes les guerres qui ont été menées contre les nations dominées, notamment en Algérie, et plus tard avec un prolongement lors de la Seconde Guerre mondiale où le nazisme a expérimenté la médecine à des fins de guerre et d'extermination dont on connaît quels ont été les tenants et les aboutissants. Et effectivement, cela a été constaté
notamment en Algérie, lorsque les généraux génocidaires de l'armée française, les restes de l'armée napoléonienne, ont été jusqu'à couper des têtes, couper des organes du corps humain. Notamment pour, pour les soumettre à des essais, à des expérimentations. Les crânes des Algériens, d'ailleurs, des chefs de la révolte des Achas, ont été transportés en France et sur lesquels on a procédé à des expérimentations, à des investigations qui ont été utilisées pour effectivement démontrer la thèse de l'infériorité de ces races, qu'il fallait ramener à soi, qu'il fallait éduquer, qu'il fallait assimiler. Parce qu'en plus de l'accaparement de leur territoire, il fallait les acculturer et il fallait les assimiler. Mais sans trop grand espoir de réussite, puisque de toute façon, l'infériorité trouve son origine dans un substrat organique. Mais bien sûr, il fallait qu'il reste des races inférieures. Et dépendantes. Et dépendantes. Ceci d'ailleurs a servi notamment à la création du double collège à l'époque, après le centenaire, le centenaire de la création, où la représentation des Blancs était assuré au premier collège, qui avait tous les pouvoirs au plan de la détermination du budget, des finances, de la conduite des affaires de la colonie. Tandis que le deuxième collège, après évidemment qu'il y ait eu l'apparition des partis politiques du mouvement national qui ont utilisé qui ont utilisé un certain nombre de voies inscrite dans la légalité pour faire entendre, les Algériens, en tous les cas, une grande partie des Algériens. Et ce deuxième collège était la cinquième roue de la charrette. C'était la justification que les races inférieures devaient demeurer inférieures, quand bien même elles auraient fait l'objet d'une assimilation par la langue ou par la culture. C'était un double alibi, c'est-à-dire d'une part nous faisons notre travail de civilisateur, d'autre part vous voyez bien que c'est laborieux. Mais bien sûr, mais à propos de Fadon justement et même d'Alice Cherki, qui a été son assistante, et Frantz Fanon et Alice Cherki ont travaillé sur la question du bestiaire. Donc, notamment sur cette question du bestiaire, je m'excuse de vous interrompre, mais comment on va y revenir et lui consacrer tout un chapitre. J'aimerais j'aimerais quand même approfondir un peu la théorie de Poirot. Donc, en ce qui concerne l'école d'Alger, l'école de psychiatrie d'Alger. Pour la vision de Poirot, elle est liée aussi à l'évolutionnisme. Oui. Pour les psychiatres en général, le cerveau se compose de trois niveaux, trois couches. Oui. Il y a l'archéocéphale, il y a le mésencéphale et il y a le néocortex. Oui. Donc l'évolution des espèces animales a mené vers le développement du mésencéphale et du néocortex. Oui. Pour le néocortex, c'est la partie du cerveau qui domine les émotions. Oui, et donc qui siège un peu de l'intelligence. De l'intelligence, de la rationalité, de l'intelligence, et qui domine les émotions, les pulsions, etc. Le surmoi. Ouais. Donc le problème auquel était confrontée l'école de psychiatrie d'Alger, c'était l'importance de la criminalité. Il constatait que pour un oui, pour un non, l'indigène, l'Algérien en particulier, était violent, il commettait des crimes, etc. Oui. Donc, au lieu d'expliquer ça par le contexte colonial, socio-culturel, et par le contexte colonial, il expliquait ça par
des pulsions, par la non-maîtrise des pulsions. Donc, qu'est-ce qui se passe? On ramène problèmes, un problème sociologique, un problème lié à la domination coloniale, d'aliénation liée à la situation coloniale, on le ramène, on en fait un problème biologique, on en fait un problème héréditaire, biologique, et avec un substrat organique. Oui, et c'est la même chose d'ailleurs en Italie, avec Cesare Lombroso et sa la criminalité. Là c'est un peu différent. Lombroso, c'est un peu le prolongement de la phrénologie. Oui, là, complètement. Oui. Et là, on passe de l'aspect extérieur vers l'aspect intérieur, donc vers l'anatomie du cerveau. Donc, d'ailleurs, ce qui va mener plus tard vers la bestialisation que vous voulez évoquer, M. Milly, sur laquelle nous allons revenir, mais on ne peut pas clore ce chapitre des baudruches à dégonfler, si je puis dire, si je peux être un peu abrupt, sans en arriver à la plus grosse d'entre elles. Oui. Faire l'éducation du genre humain, ça c'est, je commence à citer, vous me dites après qui c'est. Oui. C'est la mission de l'Europe. On revient à ce paternalisme. Chacun des peuples européens devra contribuer à cette sainte et grande œuvre dans la proportion de sa propre lumière. Tous ne sont pas propres à tout. La France, par exemple, sera mal colonisée et n'y réussira qu'avec peine. Pourquoi ? Bon, là, c'est moi qui pose la question. Pourquoi ? Et on nous répond, chose étrange à dire, et bien vrai pourtant, ce qui manque à la France en Algérie, c'est un peu de barbarie, comme s'il n'était pas assez barbare. Les Turcs allaient plus vite, plus sûrement et plus loin. Pourquoi ? Ils savaient mieux couper les têtes. La première chose qui frappe le sauvage, ce n'est pas la raison, c'est la force. Signé Victor Hugo. Victor Hugo, exactement. Le grand humaniste. Oui, oui. Cosette et Jean Valjean, etc. Victor Hugo était académicien et membre de l'Assemblée nationale française lorsqu'il avait déclaré, à propos de l'Algérie, « Prenez ce pays, il n'appartient à personne. » Et déversez-y votre trop-plein de population. Absolument. Faites du prolétaire un propriétaire. Un propriétaire. Et Victor Hugo était un va-t-en-guerre. Oui. C'était un va-t-en-guerre qui était au premier plan de l'incitation à une conquête totale, à une colonisation totale. Et d'ailleurs, il connaissait Bugeaud, qu'il avait rencontré à plusieurs reprises, et qu'il exhortait à terminer au plus vite l'expédition coloniale. Au moment où Bugeaud temporisait un petit peu, avant de se rallier effectivement aux thèses de la colonisation totale qui était défendue par la gauche républicaine. Alors même que cette armée a connu des défaites extraordinaires, depuis d'ailleurs qu'on connaît son histoire, dans la guerre des 30 ans, dans la guerre des 100 ans, dans la guerre des guerres napoléoniennes, dans la Première et Seconde Guerre mondiale, dans la guerre d'Indochine, dans la guerre d'Algérie, et plus tard jusqu'à aujourd'hui au Mali, où l'opération Barkhane est en train de s'engluer dans le désert. Armée qui s'est rendue coupable d'horreur en toute bonne conscience, et cette bonne conscience, elle est justement le fruit de cette animalisation que vous avez mentionnée. Enfin, on dit d'ailleurs que quand le colonisateur veut parler du colonisé, il a systématiquement recours au langage du bestiaire. Et donc avant de revenir vers vous, Ordonez sur cette question, j'aimerais qu'on regarde ensemble un extrait de votre documentaire qui cite un historien sur cette question de la bestialisation de l'ennemi. Je vous laisse avec cet extrait, mes chers compatriotes, et je vous retrouve tout de suite après. On assiste effectivement à un phénomène assez classique dans ce type de conflit, c'est ce que j'appelle la bestialisation de l'ennemi, qui joue un rôle essentiel pour comprendre le développement des violences extrêmes à la fois employées contre des combattants qui ne sont pas pensés comme des soldats d'une armée régulière, mais qui sont pensés comme des rebelles, comme des partisans, on peut le dire aussi, ou comme des terroristes. Ce qui fait que ceux-là peuvent être tuables, torturables. Et parmi les représentations de ces rebelles et le vocabulaire employé pour les désigner, il y a cette phrase célèbre du général Bugeaud qui dit « enfumez-les comme des renards ». Et effectivement, dès lors que l'ennemi non conventionnel est assimilé à une bête sauvage, nuisible qui plus est,
cela va effectivement justifier des traitements, disons, exceptionnels comparativement aux traitements qui peuvent être ceux d'un soldat d'une armée régulière. Le soldat d'une armée régulière, lui, dès lors qu'il n'est plus en état de combattre, dès lors qu'il donne les signes conventionnels qu'il souhaite se rendre, il cesse d'être tuable. Enfumez-les comme des renards. C'est la doctrine Bugeaud que Pélissier, d'ailleurs, ne s'est pas privé d'appliquer dans les tristes enfumades du Dahra. Monsieur Semar, on vient de voir justement cette idée de la bestialisation, de l'animalisation du colonisé qui donne bonne conscience aux colonisateurs pour ces entreprises génocidaires. Oui, effectivement, transformer l'être humain en animal, c'était libérer les mains du bourreau, les mains des militaires, leur permettre de faire ce qui était attendu d'eux. Parce que les militaires étaient envoyés par la France, mais ce n'étaient pas des gens qui sont venus d'eux-mêmes, ils sont venus dans le cadre d'une politique coloniale. Donc, absolument. Il s'agit, on n'est pas dans un racisme populaire, on est dans un racisme d'État. C'est structurel, l'État, oui, d'État, oui. C'est l'État français qui a envoyé ses militaires pour conquérir l'Algérie. Absolument. Et pour conquérir l'Algérie, il fallait leur donner carte blanche. Il fallait leur donner la possibilité de faire ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire tuer, raser les champs, tuer les bêtes, etc., affamer la population. Et pour pouvoir le faire, il fallait, dans la tête des militaires, transformer l'Algérien en bête, en animal. Et tout au long de la colonisation, on retrouve, c'est une constante du discours colonial. Même quand c'est à caractère littéraire, etc., il y a toujours cette animalité qui apparaît, qui apparaît dans le discours colonial. Donc l'Algérien, c'est le renard imprévisible qui peut attaquer, c'est l'épervier qui peut attaquer, c'est le rat parce qu'il est sale. D'où le raton et les ratonnades. Voilà, donc c'est le rat qui est sale. Mmh. Et on dévalorise et on insulte, c'est une insulte adressée aux Algériens, pour les humilier d'une part, et pour libérer la main des militaires et leur permettre de faire ce qu'ils ont fait. Mais pas seulement les militaires. Il y a une phrase magnifique que j'ai entendue dans votre documentaire où il est dit « Le sommet de l'arrogance du colonialisme et de l'idéologie coloniale va s'illustrer justement dans les os humains. » C'est-à-dire, on en arrive à établir une différence, non pas anthropologique entre l'européen et le non-européen, mais une différence de zoologie. Et donc, on va aller regarder des Noirs comme on va aller regarder des girafes et des hippopotames, etc. Ouais. Oui, l'Europe a tourné le dos, je dirais qu'elle a tourné le dos aux enseignements de philosophes humanistes. Parmi ces philosophes humanistes, on a Emmanuel Kant. Qu'est-ce qu'il dit à Emmanuel Kant? Il établit la morale sur un principe important, celui de considérer l'être humain comme une fin en soi et non pas comme un moyen, comme un objet. Et là, la pensée coloniale a tourné complètement le dos à cette pensée humaniste. Mmh. Et elle a transformé l'être humain en objet. On l'a vu avec les crânes des... Elle a réifié, oui. On l'a vu avec les crânes des... De nos martyrs, d'ailleurs, récemment rapatriés. Oui. On l'a vu aussi avec le zoo humain. Mais le zoo humain n'est pas uniquement... c'est un scandale moral, bien sûr, parce qu'on a transformé des gens qu'on a ramenés de partout, on les a mis dans des cages, on les a parqués, et on leur a donné le rôle, on les a fait jouer un rôle, celui du sauvage, pour
pour rassurer l'Européen par rapport à sa suprématie, d'une part, et pour faciliter l'entreprise coloniale. Absolument. L'objectif, c'était au départ des spectacles organisés par des privés, par des compagnies privées. Après, oui, c'est devenu, dans une seconde phase, c'est devenu une entreprise d'État. C'était l'État français qui organisait les expositions coloniales. Absolument. Ça, on n'appelait plus ça zoo humain, mais on appelait ça exposition coloniale. Et là, on montrait que les Arabes, les Vietnamiens, les Africains, etc., étaient inférieurs. Et en même temps, on faisait l'éloge de la colonisation qui était capable, et de l'Empire français, qui était capable de ramener toutes les races, toutes les édifices religieux. Donc on a ramené des temples, on a reconstruit des temples bouddhiques, on a reconstruit une mosquée, mais tout en l'évidant de leur sens spirituel. Spirituel, oui, en faisant en fait un objet dérisoire de spectacle. Faisant un objet dérisoire de spectacle, et c'était pour dire que l'Empire français est un empire immense, c'est un empire puissant, et c'était pour engager la jeunesse dans cette voie qui était pour les envoyer vers... Pour emporter une adhésion. Emporter une adhésion et les faire participer à la colonisation. Donc, il y a eu... c'était une politique d'État. Il y avait un parti colonial et il y avait une institution qui s'occupait de ça. Je ne me rappelle plus le nom de cette institution, avec Saro à sa tête, qui s'occupait de cette entreprise de propagande. Le zoo humain est devenu un outil de propagande coloniale. Mais l'arrogance coloniale ne va pas s'arrêter là, Monsieur Milly. Nous allons voir ensemble un extrait. Oui. Et je vais revenir vers vous, puisque nous allons voir, mesdames et messieurs, ce qui était enseigné dans les manuels scolaires. Il faut le voir pour le croire. Accrochez-vous. Ali et René. Je dis à Ali et à René, mangez le bonbon. René mange le bonbon. Ali mange le cahier. Ali mange le tableau. Ali mange le caillou. Ali mange le chiffon. Ali mange le papier. Ali mange la craie jaune. Ali ne mange pas le bonbon. Ali est un âne. Ali est un âne. Ali est un âne. Ali et Tanan, M. Milly. Oui, d'ailleurs, pour rebondir un peu sur ce que vous aviez dit tout à l'heure, cette bestialisation ne date pas de l'occupation coloniale de 1830 jusqu'à 1962. Elle remonte à bien plus loin. Elle remonte aux croisades de Saint-Louis, de Richard Cœur de Lion. Et elle remonte aussi à la guerre qui avait été menée par Sylla et Marius contre la Numidie. Absolument. Et contre Jugurtha, qui avait été d'ailleurs qui avait été emprisonné et conduit dans une charrette jusqu'à Rome, où il a traversé la Via Appia sous les crachats des Romains, et amené ensuite dans les ergastules, les prisons souterraines du Colisée, où il est mort de famine après avoir été affamé pendant plus d'un mois. Donc, c'est des pratiques qui étaient très courantes et qui ont fait d'ailleurs déclarer un des chefs de file des latinistes, Louis Bertrand, qui était un historien idéologue, que la civilisation, que l'occupation coloniale française continuait la civilisation romaine. Et que donc, c'est d'ailleurs un procédé assez commode qui lui permettait d'effacer la civilisation arabo-islamique, arabo-musulmane, et la présence ottomane, pour dire que voilà, c'est... Et pour revenir justement à ces supports pédagogiques, entre guillemets... S'il vous plaît, puisque vous avez cité Louis Bertrand, si vous me permettez très rapidement de citer
un compatriote sur ça. Enfin, un compatriote dans le fameux « Décoloniser l'histoire » de Mohamed Chaïf Sahli. Oui. Et qui a, au début de son ouvrage, recensé quelques paroles des historiens colonialistes, et notamment d'Émile Félix Gautier, qui va dire, qui va donner de nous l'image d'éternel conquis. Et donc il va dire, aussi loin que nous remontons dans le passé, nous voyons une cascade ininterrompue de domination étrangère. Les Français ont succédé aux Turcs, qui avaient succédé aux Arabes, qui avaient succédé aux Byzantins, qui avaient succédé aux Vandales, qui avaient succédé aux Romains, qui avaient succédé aux Carthaginois. Et notez que le conquérant, quel qu'il soit, reste le maître du Maghreb jusqu'à ce qu'il soit expulsé par le conquérant nouveau, son successeur. Jamais les indigènes n'ont réussi à expulser leur maître. C'est dans la pure tradition orientaliste de l'Orient, du tiers-monde, de l'Afrique, incapable de self-government. Mais bien sûr. Et d'ailleurs, Fanon le dit, et puisque vous voulez rebondir sur Fanon, ouais. Fanon dit que le colonisateur ne se contente pas de boucher le futur et de figer le présent. Il se tourne vers le passé pour l'oblitérer. Pour l'oblitérer. Oui. Et d'ailleurs, je rappelle que Frantz Fanon et Alice Cherki ont travaillé sur le registre zoologique du bestiaire et ont recensé un nombre incalculable notamment d'épithètes dégradants dont étaient affublés les indigènes par les colons. Et pratiquement tous les noms à être puisés dans le registre zoologique qui servaient à inscrire les indigènes à l'état civil de l'administration coloniale. Et de quoi encore confirmer, accentuer le rang subalterne qui avait été réservé donc aux Algériens et aux colonisés d'une façon générale. Mais bien sûr que ces supports pédagogiques entre guillemets avaient cours dans les écoles indigènes de l'époque de l'occupation jusqu'à pratiquement les années 58-59 où livré aux jeunes écoliers indigènes deux ouvrages, un manuel qui était appelé « Au pays bleu » oui. et qui comprenait des extraits des plus grands écrivains français, Zola, Balzac, Flaubert, etc. Et un autre livre qui était un peu dans les eaux de ce que vous avez indiqué tout à l'heure et qui décrivait la vie des autochtones sous l'angle le plus avilissant donne à penser que voilà, il y a une différence de taille entre les colons et les colonisés et le rejetant. Ce qui me permet, ce qui nous amène justement à ce mythe que vous mentionnez, M. Sommar, dans votre documentaire, et dont nous allons voir un extrait ensemble afin de conclure, le fameux mythe d'ailleurs qui est recyclé contre les Palestiniens, le mythe du peuple sans terre, pour une terre sans peuple. Je vous laisse avec ce petit extrait, on revient immédiatement. Du centenaire de sa transformation en commune de plein exercice, le gouverneur général M. Léonard est venu exalter l'œuvre des pionniers d'Algérie. Devant le monument qui rappelle le miracle de la Mitidja, le gouverneur général a pu dire « L'Algérie française est bien moins l'œuvre de l'épée que de la charrue. » Alors on vient de voir ce fameux mythe de la colonisation est moins l'œuvre de l'épée que de la charrue. Pourtant, c'est ce que Saint-Arnaud lui-même dément avec ingénuité dans sa correspondance,
puisqu'il dit à son frère, le lendemain, c'est-à-dire le lendemain d'un accrochage avec le shérif Mohamed Ben Wadah, dit Boumaza, on revient à ce que vous évoquez, le lendemain, je suis venu bivouaquer sur le même lieu du combat. Il y avait encore des groupes nombreux d'ennemis sur les pitons. J'espérais un second combat. Ils ne sont pas descendus. Nous évitions bien sûr l'engagement direct. Ils ne sont pas descendus et j'ai commencé à couper de beaux vergers et à brûler de superbes villages sous les yeux de l'ennemi. Dans un autre ouvrage d'Henri Allègre sur la guerre d'Algérie, il révèle comment Bugeaud lui-même reconnaît qu'il a trouvé des vergers, des aqueducs, emportant-les jusqu'à deux lieues, etc. Effectivement, c'est de la propagande, c'est de la propagande coloniale dirigée vers les Français en premier lieu, parce que le film qu'on a vu tout à l'heure, c'est un film qui a été produit en 1931 et ça s'appelle, je crois, Le Bled. Ce film avait pour mission de ramener des colons, parce qu'il y avait un problème, on n'arrivait pas à ramener suffisamment d'Européens vers l'Algérie. Donc les Français ou les Italiens ou les Espagnols hésitaient à venir en Algérie, oui, compte tenu du climat, etc. Donc on faisait de la propagande pour ramener et on utilisait ces arguments de terres fertiles, de colons capables de inexploités par des paresseux. Alors qu'en réalité, l'Algérie était un pays agricole et qui exportait le blé. Oui, qui était exportateur net. Oui. Et qui était un exportateur net. Donc le problème, un des problèmes qui a causé la conquête coloniale, c'était le problème de la vente du blé qui n'a pas été payé. Donc ce qui a amené vers le coup de l'éventail, etc., c'était des cargaisons de blé, oui, qui ont été envoyées en France. Donc toute cette partie on met l'accent sur la Métija parce que bon, il y avait un petit marécage dans les environs de Boufarik qu'on a asséché, mais bon, ça reste un fait anecdotique qui est érigé en mythe. Voilà, ouais. Donc on a érigé ça en mythe et c'est en prolongement, on reprend un peu le mythe, on reprend un peu la propagande en ce qui concerne l'Amérique. Oui. Donc le mythe de la terre sans peuple qui est donné à un peuple sans terre. Qui sera encore une fois recyclé d'ailleurs pour les Palestiniens. Pour les Palestiniens. Et ce mythe, si vous me permettez, monsieur Smal, ce mythe que l'on retrouve exprimé de manière littéraire par Mohamed Dib dans l'incendie, ce qui nous amène à notre rubrique « Ombre gardienne » du fameux recueil de poésie, puisque nous célébrons cette année le centenaire de la naissance de Mohamed Dib. Nous allons donc entrer dans cette rubrique juste après le jingle et on revient. Donc cette rubrique va reprendre des aspects de l'œuvre de Mohamed Dib que nous allons tâcher de redécouvrir tout au long de cette année où nous célébrons son centenaire. Ici, je vais vous lire très rapidement un extrait de son œuvre, « L'incendie », qui s'inscrit dans la trilogie Algérie. Il s'agit du deuxième volet. C'est un fellah qui parle, puisque Mohamed Dib, dans cet ouvrage, fait parler les fellahs. Et le fellah dit « Qu'on aille dire le fellah, un fieffé paresseux. Pour travailler un jour, il lui en faut 10 de repos. Et s'il a gagné de quoi subsister 3 jours, il cessera de travailler. » Et tout ce temps-là, il fera le lézard. Le fellah sent mauvais. Le fellah n'est qu'une bête. Le fellah est grossier. Le fellah est ceci, le fellah est cela. Voilà. Et le fellah, on vous l'expliquera bien, est satisfait de son sort. Lui proposeriez-vous de changer sa vie contre une autre, claire et heureuse, où il sera un homme considéré? Il refusera. Tel il est, tel il restera. D'ailleurs, ce que vous lui donnerez de beau, il le dégradera tout de suite à son image, incapable qu'il est de s'élever au-dessus de sa condition. Mais le malheur, c'est que ceux qui parlent ainsi ne nous laissent jamais essayer de cette belle vie. Eux-mêmes prospèrent sur nous comme de la vermine. C'est la véritable raison. Si notre pain est noir, si notre vie est noire, ce sont eux qui nous ont fait ainsi.
Mais cette vermine a de hautes pensées. Je suppose qu'elle se ressemble dans tous les pays du monde. Partout où il y a des fellahs qui font fructifier la terre, elle doit dire « le fellah est content de son sort ». Est-ce que nous sommes une nation à part, une race à part? C'est ce qu'il faudrait savoir. Si oui, il ne reste plus qu'à admettre, tel est le sort du fellah. Toute sa vie, il vivra sur la même terre, le même ciel l'encerclera, les mêmes montagnes enfermeront son existence. Le domaine du colon formera une barrière sans issue autour de lui. Et la même misère, les mêmes pluies, la même chaleur torride, les mêmes angoisses seront son partage, le lot hérité de ses pères. Contre quoi le travail honnête, dût-il se tuer à la tâche, ne servira jamais à rien. Les injustices deviendront aussi naturelles que la pluie, le vent ou le soleil. Superbe éloquence de Mohamed Dib. Et superbe travail esthétique et artistique, puisqu'ici c'est le fellah qui parle lui-même. Mais bien sûr. Ce qui m'amène aujourd'hui, le fellah, quand Mohamed Dib fait parler le fellah conteste ces lieux communs, ces poncifs, ces mythes. Ce qui m'amène à la conclusion, M. Badr Din Mili, aujourd'hui, est-ce que ces mythes coloniaux ont-ils totalement disparu de notre quotidien, de notre langage, voire de nos expressions culturelles, intellectuelles et artistiques, ou bien reste-t-il encore des restes qu'il faudrait secouer? L'entreprise de décolonisation de l'idéologie, coloniale, et non pas de la pensée, parce que parce que ce serait lui accorder trop d'importance que de la qualifier de pensée. Absolument. Mais c'est une idéologie. Absolument. Donc la déconstruction de l'idéologie coloniale a été entreprise par plusieurs générations de combattants anticolonialistes. Ça remonte à Toussaint Louverture, à Aimé Césaire, à René Despêtres, etc., jusqu'à Ho Chi Minh. En Algérie, la décolonisation de l'histoire de l'Algérie a été entreprise par plusieurs générations avant et pendant la guerre de libération et après l'indépendance. Y compris la vôtre, d'ailleurs. Je citerai notamment Mustafa Al-Sharaf, Reda Melk, je citerai Mohamed Chif Sahli, qu'on vient de lire, Belkacem Sa'dallah, Mahfoud Qaddash, et même les écrivains, Mohamed Dib, précisément. En premier lieu, d'ailleurs. Oui, précisément, Kateb Yassine, Malik Haddad, Moufdi Zakaria, Mohamed Aïd Al-Khalifa, tous ceux-là ont contribué à décoloniser un certain nombre de pans de l'idéologie coloniale. Donc c'est un travail qui doit être poursuivi et auquel on doit ouvrir davantage d'horizons pour qu'on puisse dire enfin les Algériens écrivent leur histoire par eux-mêmes. Un dernier mot, oui. Moi, je vois qu'il y a un travail à faire au niveau de l'école. Et là, par exemple, je prends Mohamed Dib. Moi, je vois très bien que Mohamed Dib, les livres de Mohamed Dib, comme des livres insérés dans le programme scolaire. Ben, j'espère justement que cette émission aura contribué à apporter un éclairage sur la question. Votre documentaire est extrêmement éclairant. C'est d'ailleurs une merveille de pédagogie. Je signale qu'il est disponible librement, gratuitement sur YouTube, voilà, sous le titre Idéologie et imaginaire colonial. Et en arabe, l'idéologie ou le mukhayyil al-istimariya. Monsieur Erdogan Sımal, merci infiniment d'avoir été parmi nous.
C'est à moi de vous remercier. Et je vous dis à très très bientôt, Inchallah, autour d'un autre thème. Inchallah. Monsieur Milly, je rappelle que vous avez publié un essai aux éditions APIC, il y a de cela peut-être un mois, et qui s'intitule « Le système politique algérien, formation et évolution de 1954 à 2020. Toutes mes félicitations. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. J'espère que ce moment a été aussi agréable pour vous que pour nous et que j'aurai le plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro de Culture, l'autre regard. Je ne saurais vous quitter sans vous laisser avec un dernier extrait,